Gargamel plays it. Ok, même Gargamel du. Et les Schtroumpfs aussi, bon. Bonjour à toutes les Minecraftiennes et à tous les Minecraftiens. Ainsi qu'à tous les Pecnos qui ignorent ce qu'est Minecraft, mais qui se retrouvent quand même sur ma vidéo par le plus grand des hasards. Les Pecnos, je vous aime aussi. Aujourd'hui, au programme, une petite sélection de maps que j'ai trouvées et que j'ai appréciées. Alors, tout d'abord, la map TPTT. Hop, c'est une map utile. Qu'est-ce que c'est ? C'est une exposition de tous les différents blocs de Minecraft. Tous. Pourquoi ? Pour essayer des packs de textures. Comment ? C'est tout simple. Bon, je vais arrêter les questions-réponses parce que ça devient énervant. Donc, en gros, vous chargez un pack de textures sur votre Minecraft, et puis vous mettez cette map. Comme ça, instantanément, vous avez en face de vous tous les blocs, et vous pouvez tester toutes les textures. Donc, ici, on a tout ce qu'il faut. On a bon tous les minerais, tous les blocs, tous les trucs constructibles, tous les trucs que tu peux crafter, bon voilà. Les échelles, les éléments, la lave, l'eau, les map spawners, on a tout. Y compris la laine, le gâteau, on doit avoir un petit piston par-ci par-là, si la map est suffisamment récente, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc vous cherchez un peu et puis vous avez tous les blocs de façon accessible. Donc c'est pratique pour tester les packs de textures. Parce que ça évite les mauvaises surprises du style « Ah, la mostone, comment elle est trop moche, tout caca pas beau !» C'est du vécu, ça m'est déjà arrivé. J'avais installé un pack de textures, bon, je dirais pas lequel, mais bon. Tout me convenait, et puis jusqu'au moment où j'ai vu la mostone. C'est-à-dire ça, là, pour ceux qui ignorent. La mostone, c'est la pierre qu'il y a près des donjons. Et elle était juste trop moche. Donc, suffisamment moche pour finalement que j'enlève le pack de texture et que je me cantonne à l'original, comme vous voyez. Moi, j'aime bien le pack original, c'est Note qui l'a fait, c'est simpliste, c'est pixelisé, c'est parfait dans le pur esprit de Minecraft. Donc, ça me convient très bien. Voilà. Donc, le gars qui a fait cette map s'est dit, putain, je vais innover, je vais poser tous les putains de blocs les uns à côté des autres. Yeah! Bon, c'est pas foulé, hein, c'est pas un super principe, mais l'idée est bonne, et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, parce que dans Minecraft, soit on fait des trucs impressionnants, soit on fait des trucs innovants, et puis pour la peine, j'ai piqué sur le cactus, voilà, tam. Je suis fou. Voilà, le lien, il est... je mets le lien pour downloader la map dans les commentaires, donc c'est utile. C'est super utile. Voilà. Sur ce, je vais tout casser. Juste pour le plaisir. Et je vais aller dans le Nether. Et maintenant, la prochaine carte. On passe maintenant à une très jolie map qui s'appelle Spiritual Land Undiscovered South American Island. Bon, alors, pour admirer cette magnifique map, on va se mettre en Render Distance 4. Ok, comme ça on pourra observer les choses. Donc, c'est une carte qui retranscrit plus ou moins les montagnes d'Amérique du Sud. Donc je suppose que c'est un type de montagne que vous connaissez. Vous avez déjà dû voir dans les films, etc. Bon, on laisse la map se charger un petit peu. Et c'est une carte magnifique, puisque c'est une carte avec beaucoup de relief. Bon, est-ce qu'elle est très jouable en mode aventure? Je ne sais pas. Mais si vous voulez faire des constructions dessus, ou tout simplement l'observer et faire « Waouh, comment c'est trop bien fait !» Eh ben, faites-le, je mettrai aussi le lien de la map en commentaire. Je ne sais pas qui l'a faite, ainsi que la précédente, la TPTT, je ne sais pas qui l'a faite, mais bon, je mets le lien en commentaire. C'est donc, on a donc de la forêt en bas, on a une île par là-bas, et puis surtout, des montagnes. Des montagnes en forme, disons, d'obus, donc avec beaucoup de relief. Donc c'est un type de montagne que je trouve très joli, avec les rivières au milieu. Les rivières qui arrivent de façon officielle dans la version 1.8 d'ailleurs. Et voilà, donc voilà des montagnes. Donc là, j'étais au sommet d'une montagne. Observez à la carte. Voilà. Donc on a une petite chaîne de montagnes ici. Et puis en plus des montagnes, donc je vais essayer de vous montrer celle où j'étais. Désolé pour le lag, mais bon. Comme je vais vous montrer la carte avec une longue distance de vue, ça lag un petit peu. On a donc. Voilà, top. La montagne où j'étais. Donc c'est une chaîne de montagnes, tranquillou. La rivière au milieu, et un volcan.
un volcan en activité. Donc c'est plutôt joli, mais en fait, je trouve. Il me semble qu'on peut aller explorer un petit peu l'intérieur du volcan par cette ouverture-là. Eh bien, faites-le à l'occasion si la map vous plaît. Mais franchement, elle pèse pas lourd, elle est jolie et ça vaut le coup. Bon, je vous embête plus avec mon lag parce que ça commence à m'énerver moi-même. Hop. Et donc, téléchargez-la sans problème. C'est aussi ça, Minecraft. Essayez des maps un petit peu à l'aveugle. Quoique à l'aveugle, non. Là, je suis à l'aveugle pour le coup. Mais bon, je vous l'ai montré un petit peu, donc voilà. Donc n'hésitez pas à la télécharger et à l'essayer. On passe à la suivante. Et on va terminer avec une map qui s'appelle Moment of Impact. C'est tout simplement une... Bon, c'est pas une map jouable ni rien, c'est juste pour le fun. Pour le fun de voir ce qui a été fait sur la map. Normalement, d'ici, on devrait voir. J'ai fait exprès de me mettre sur un petit piédestal. On va laisser la map se charger. Hop. Et donc c'est la représentation de l'impact d'une météorite. Boum! Qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve ça assez impressionnant. Parce que c'est grand, déjà. C'est grand. Et bon, l'idée est fausse qu'à vaut, hein. L'idée est bonne pour le fun, quoi. Encore une fois, je suis désolé pour le lag. Mais là, pour le coup, c'est mon jeu qui lag. Puisque j'ai mis la vue au maximum. Voilà, donc on a la météorite qui entre en collision avec la Terre. Donc je m'approche un petit peu, hop. Et donc vous pourrez observer que tout est fait. Donc les jeux de couleurs sont plutôt bien faits, je trouve. On a du noir qui est en laine noire. Tout est en laine en fait, sauf la glowstone. De la laine blanche, etc. Orange, jaune. Et de la lave en fusion. Et même de la netherrack qui brûle. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt bonne et la réalisation aussi. Donc c'était intéressant, je trouve. Ici, on se demande un petit peu pourquoi il y a ça, mais bon. Hop, je m'approche un peu. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant. Et on en a fini pour cette vidéo. Je mets aussi le lien de cette map en commentaire. Donc, faites-vous plaisir. Si vous voulez la voir de vos yeux, si vous voulez travailler la map, si vous voulez améliorer la météorite, améliorer des choses, rajouter des trucs autour, des petits gens qui courent, etc. Sentez-vous libre. Et j'en ai fini pour cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, je ferai d'autres vidéos de présentation de différentes maps. Parce que j'en ai plein sous le coude. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont intéressantes. Les créations Minecraft de différents gens de tous les pays sont super impressionnantes. Là, par exemple, j'ai pensé à une map Zelda donc, qui reconstitue Hyrule. Donc c'était vachement impressionnant. Peut-être que je vous la montrerai dans une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt, et vous remarquez que l'espèce d'écriture « I show you HD preview » a disparu. C'est un grand pas, j'ai acheté le logiciel de capture d'écran, donc l'écriture fantôme disparaît, ça fait du bien aux yeux, vous ne me contredirez pas. Donc c'était votre petit cadeau pour les 10 000 vues sur ma chaîne, peut-être que vous aurez un autre petit cadeau pour les 20 000 vues sur ma chaîne, donc on verra. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. À vous les studios.